était en rapport avec un monsieur qu'on appelait Lebo. Who was in relationship with a man called Lebo? C'est qui? Hein? C'est qui? J'ai vu une femme en rapport avec un monsieur. I saw a woman in relationship Lebo. With a man. Lebo, ça fait longtemps. Lebo. Oui, Lebo, c'est qui? Oui. Oui, j'ai vécu avec lui, c'était mon premier homme. Vous êtes marié? Are you married? Vous n'êtes pas marié. Attendez. Vous n'êtes pas marié. You're not married. Bon. Lebo était votre premier amour, c'est ça? Ok, vous dites que vous n'étiez pas marié. Attends, je vais vous dire quelque chose. Quand vous m'avez dit que vous n'étiez pas marié, vous n'êtes pas marié. You're not married. Moi, je vous ai vu marié. I saw you married. Oui, Daddy, j'ai ce problème-là. Mon père avait dit qu'il a même laissé une lettre que je ne dois jamais me marier. Et je vis ça tous les jours avec les hommes avec qui je vis. Il vient les menacer. Il vient les menacer. Je vis quelque chose d'inexplicable depuis mon enfance. Donc je suis visitée toutes les nuits. Il y a quelqu'un qui apparaît toujours. Chaque fois que je vais au lit, je vois la personne. Les couches de nuit, tout ça. Je vis tout ça. Il vient dire à quelqu'un que c'est ma femme. Tu n'as pas le droit d'être couché là. C'est moi qui dois être couché là. Est-ce que vous suivez ça? Are you hearing? Lorsqu'elle avait un homme, son mari spirituel menace l'homme et lui dit que c'est ma femme, tu n'as pas le droit d'être ici. You have no right to be here. Je proclame le divorce. I proclaim Amen. Divorce. Je proclame le divorce. Amen. Je proclame divorce. Laissez-moi vous dire quelque chose. Barita wa idaskromi. Farazen wa Israï wa Ines Moras Menkrais Raoud Mares Roin Nahus Loika. Laissez-moi dire une chose. Vous voyez. You see. Vous. You. Le Seigneur aime la femme si haut. The Lord loves this woman. Aïe, 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 aïe. Dieu aime Amen. Trop la femme. God loves this woman so much. Dieu aime trop la femme si haut. Je vous dis quelque chose. I'll tell si you tu ne connais pas la cause de ton malheur, of your soul, tu ne peux pas être délivré. Amen. Je vous dis la vérité, la femme si n'a pas été délivrée. Ça, c'est des choses que vous vivez depuis l'âge de 16 ans. Quand vous aviez 16 ans, si vous avez commencé à voir les couches de nuit, à l'âge de 16 ans. Maintenant, regardez. Quelque chose s'est passé dans votre famille que vous ne connaissez pas. Je vous révèle ça. C'est ça, Daddy. Je le soupçonne depuis. Regardez, votre père. Your father. En dehors de votre mère, avait une autre femme. Mother, had another wife. Vous me suivez? C'est vrai, Daddy. Ce que vous dites, c'est vrai, Daddy. Je Mais n'ai pas connu attendez, mon père. Attendez. Votre père, en dehors de votre mère, your father, avait une your autre mother, femme had another wife, qu'on appelait Béatrice. Called Beatrice. Et cette Béatrice, and this Beatrice haïssait votre mère à un point hated qui n'est plus bon. Till an extent that is not more good. Elle haïssait votre mère. She hated your mother. Et cette Béatrice, and this Beatrice, on l'appelait Béa, ma Béa, was called ma s'est Béa. Engagée dans des choses contre votre mère engaged et contre les enfants de votre mère. I think in things against your mom and against their c'est là children. Que votre malheur a commencé. That's where your misfortune started. Et ce n'est pas une femme qu'il avait épousée officiellement. It is not a woman he c'est married officially. Il n'était pas marié. He wasn't married. Et cette femme, that woman, a maudit votre mère et ses enfants your mother parce and que votre children. Père a aimé votre mère plus que elle. Pourtant, votre mère, quand votre père a trouvé votre mère, il était avec Béa déjà. C'est when vrai, Daddy, c'est ce que ma mère m'a toujours raconté parce que moi, je n'ai pas connu mon père. Je suis la Benjamin. Maintenant, est-ce que moi, j'ai connu votre père? Non, Daddy. Ok, maintenant, on vous parle de votre famille. Now on ne se connaît pas. Je ourselves. N'étais pas là, mais l'Esprit de Jésus-Christ Amen. Était là. Amen. Zamari in Nahes Lomi. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Let me show you something. Après ces choses, après que Béa ait maudit votre mère, after votre Béa, mère mother, s'est séparée de votre père. Your mother parce qu'il y a eu un problème. Il y a problem. Eu un problème d'accusation. Entre votre père et votre mère. Et il y a eu quelque chose qu'on a dit à votre père sur votre mère et qui n'était pas vrai. Et votre père a commencé à se soulever contre votre mère. Et ils ont commencé à avoir des conflits à cause d'un de ses amis qu'on appelait Monsieur Jean. Qu'on a rapporté à votre père sorti avec votre mère. Amen.
Maintenant, cette femme devrait se marier avec Lobo. This woman had to get married with Lobo. Elle serait heureuse. She would be happy. Parce que c'était quelqu'un de bien. Because he was someone good. Mais, but, le diable a détruit. The devil destroyed. Votre relation avec lui. Your relationship with him. Parce qu'à 16 ans, cet esprit est venu entrer dans votre vie. Because at 16, that spirit et il s'est marié à vous, il a commencé à écarter les sommes. Got married to you, mais il ne se fait pas tard. Comme je prie pour elle, toute femme, amen. Tout homme marié every woman, married man, a des esprits de nuit. Les maris de nuit, les femmes de nuit. Spirit, je proclame la séparation entre vous et ses puissances. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Sois sauvé dans le nom puissant et souverain de Jésus. Maintenant, regardez. Now look. Est-ce que je peux prier pour cette femme? Can I pray for this woman? Amen. 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 Daddy, je vis tellement des choses étranges. Quand je me couche dans la soirée. En fait, je me couche la nuit avec des vêtements. Le lendemain matin, je me retrouve toute nue. Comment enlever le bas? Si je me suis couché avec le pyjama, on a enlevé le bas, mais je reste avec le haut. Et vous êtes seul dans la chambre? Je dors seul, Daddy. La première fois, j'avais pensé avoir oublié. Non, attendez, calmez-vous. Attendez. Le Dieu des prophètes. Dites au prophète, le Dieu des prophètes. Tell your neighbor, the God of prophets. Elle a dit qu'elle est célibataire. Qu'est-ce que je lui ai dit? She said she's single. What did I tell que je la vois comment? That I see her how. Oui, allez-y. Oui, Daddy, je disais que la première fois que j'avais eu ce phénomène, que ce phénomène m'était arrivé, j'avais pensé avoir oublié, m'être déshabillé dans la nuit. Peut-être en allant me mettre à l'aise, je me suis déshabillé. Après, dans le sommeil, je n'ai pas pu me réhabiller. Après 2 semaines, le même phémomène s'est reproduit. 3 semaines, le même phénomène s'est reproduit. C'est là où j'ai dit, mais tiens, ça c'est quoi ça? Qui vient même me déshabiller dans la nuit? Et mon petit ami a donc commencé à se plaindre qu'il reçoit de la visite de quelqu'un toutes les nuits. Quelqu'un qui vient lui dire que, mais c'est pas ta femme. Ou parfois la personne dit, recule, je me couche aussi, c'est ma femme aussi. En fait, des choses comme ça m'arrivent tellement. Et moi-même, je vis des choses dès que je vais me coucher jusqu'à présent là. Je vois quelqu'un, un petit sommeil comme ça, quelqu'un m'apparaît, quelqu'un se place devant moi. Une personne tellement affreuse. Je commence à avoir très peur dans mon sommeil. Parfois, c'est des pas de quelqu'un qui tire les pieds derrière mon lit. Donc, je vis tellement des phénomènes étranges que je suis fatiguée. On a déjà trop prié pour moi. Trop prié pour moi. On a déjà trop prié pour vous, c'est ça? Oui, on m'a déjà opéré 2 fois. Présentement, là, je suis programmée pour une troisième opération. Je suis fatiguée, je suis malade depuis 28 ans. L'opération, ça c'est fait pourquoi? 28 ans. L'opération, c'est pourquoi? J'ai tous mes résultats ici. C'est pourquoi l'opération? Il y a, on me parle de l'endométriose, des salpingites chroniques, de l'hydrosalpinge, des mastocystes, des abcès, des myomes, tout ça. Si Jésus m'est apparu, if Jesus et s'il est mon sauveur, and if he's my cette savior, femme sera libérée de toutes ces maladies. Amen. Vous voyez, regardez, là il n'a grosse. Regardez, je vais prier avec vous. Vous comprenez, Dieu va vous délivrer. Amen. Mais laissez-moi vous aider sur une ou deux choses. Let me help you one or two things. Votre vie a été comme un dépotoir. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont vécu comme ça. Regardez. S'il vous plaît, je vous en supplie. Please, I beg. Méfiez-vous des amis. Be careful. Pardon. With friends. Please. Tu n'es pas obligé d'avoir des amis. You're not forced. Pardon. To have friends. Les enfants. Pardon. Please. Méfiez-vous. Be careful. Des amis. Of friends. Le grand nombre de problèmes se trouve dans le grand nombre d'amis. The great number of problems. Plus vous avez des amis, friends, the more you plus have vous friends, aurez des problèmes. The more you have problems. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you something. Vous avez une amie qu'on appelait Monique. You had a friend hein? Called Monique. Hey, j'avais une amie qu'on appelait Monique. C'est la femme de mon oncle. Ce n'est pas mon amie. C'est la femme de mon oncle. C'est elle qui est la cause de tous les problèmes de ventre que j'ai. Elle a pris mes vêtements. Elle les a emmenés quelque part. Elle est à l'origine de tous mes problèmes. Ça fait 28 ans que je vis cette histoire, Daddy. Depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais connu de joie. Hôpital sur hôpital, marabout sur marabout. Qui n'a pas encore prié, tu vois, Daddy? Je ne sais pas ce que je peux dire. C'est elle qui est à l'origine.
D'accord. Money, Mama Monique. All right. J'ai dit amie parce qu'elle vous prend, elle vous a montré hypocritement qu'elle était une amie à vous. Regardez, maman, tout ce qu'on a fait sur vous, je veux pas entrer dans les polémiques familiales, I don't want to enter family problems, mais ce qui a été fait what was done sera défait. Amen. Je prie avec vous. I pray with you. Et l'ange de Dieu m'a montré un jeune homme qu'on appelle Francis. And the angel of God showed me a young man called Francis. J'avais un monsieur qu'on appelle Francis. A man called Francis. Vous avez connu quelqu'un qu'on appelle Francis? Have you known someone called Francis? Vous avez un nom comme ça dans votre vie? Je m'en souviens pas. Hein? Vous avez croisé un nom qu'on appelle Francis? Have you met a man called Francis? D'accord. Je vais vous expliquer quelque chose. I'll explain something to you. Pendant que je pleure pour vous. While I'm crying et for you. And vous êtes devant moi. You are in front of me. L'ange de Dieu m'a montré quelqu'un qu'on appelle Francis. The angel of God showed me someone called Francis. Et alors je parle, j'ai vu l'homme ci. And as I'm speaking, I saw derrière vous. Behind you. Amen. Et c'est une chose certaine. C'est quelqu'un que vous avez connu. Je ne parle pas de quelqu'un que vous n'avez pas connu. I'm not talking about someone. Ça c'est quelqu'un que vous aviez connu. This is someone you've met. Avec qui vous avez été. With whom you were. Avec qui vous êtes perdu de vue. That you love et outside. J'ai vu cet homme quand je parle, je le vois derrière vous. As I'm speaking, I'm seeing him behind you. Et il y a un miracle que Dieu est en train de préparer. Amen. It's a miracle God is preparing. Il y a un miracle, je vous dis la vérité. Il y a un grand miracle que Dieu est en train de préparer. Amen. A great miracle God is preparing. L'année-ci ne va pas finir. Amen. This year will not end. Amen. Amen. Regardez, elle dit qu'on a beaucoup prié sur elle. Moi, she je vais juste mettre la main sur elle. I will just lay my hand je ne veux pas her. Bavarder. I won't stop. Tout ce qu'elle a cité là-bas repartit sur le propriétaire. Amen. Père, comme je prie pour elle en ton nom souverain, but as I pray for her in je your commande sovereign, le divorce. Divorce. Le divorce. Amen. Le divorce. Amen. Le divorce. Amen. Ce démon part. That demon goes. Il part. It goes. Je le chasse par le feu. I cast Amen. It out by je fire. Je bâtis une muraille de feu autour de ma fille. I build Amen. A wall of fire au nom de Jésus-Christ. Elle ne reverra plus jamais ce mari maléfique. Amen. Et cette année, c'est l'année de son miracle. And this year Amen. Is the year of dans miracle. Le nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. You are free. Tell him. In Jesus name. Au nom de Jésus. Amen. Nouveau départ. New beginning. Nouveau départ. New beginning. Au nom souverain de In Jésus. The sovereign Amen. Name of Jesus. Reçois un nouveau départ ce we soir au nom a de new Jésus. Beginning. Amen.